c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre à jouer en somme. Elle a eu raison, et bien non. Seul en pouvant arranger l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a enflé la pomme. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette réunion. Donc ce soir on est sur le front des femmes, ce qui est assez étonnant, assez étrange, ce qui n'est pas habituel, mais voilà. Je suis là, moi simplement, c'est Huguette Fossat, je suis là pour vous présenter simplement sur le front, pour ceux qui ne connaissent pas le front de gauche. Vous avez dû certainement en entendre parler, y compris maintenant par les médias, à partir depuis le 18 et la prise de la Bastille par 120 000 citoyens et citoyennes. Ce qui est une véritable, c'est absolument extraordinaire dans la mesure où on est en train de réaliser que les citoyens et les citoyennes reprennent en compte, à leur propre compte, enfin, la politique, et se donnent les moyens, y compris d'aller dans des lieux symboliques, comme était la prise de la Bastille, puisqu'ils sont tombés à la fois sur l'anniversaire de la Commune de Paris, qui est quand même historiquement quelque chose d'important pour les Français et la République. La guerre d'Algérie. Du cessez-le-feu, la guerre d'Algérie. Et là aussi, c'est une symbolique parce que on voit bien aujourd'hui comment l'extrême droite stigmatise véritablement ces populations. Or, nous sommes tous des Français, même seul, même droit. Donc le Front de Gauche est issu du combat contre le traité constitutionnel européen. Donc ça date déjà un petit peu, 2005. Et au départ, c'était trois formations, le Parti communiste français, le Parti gauche et la gauche unitaire, qui est une fraction du NBA, qui ont décidé de se mettre ensemble pour continuer le combat qu'ils avaient mené jusque-là, le combat unitaire. Et petit à petit, ce front de gauche est en train de prendre une ampleur assez exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui nous sommes six formations, donc de trois on passe à six, sans compter les syndicats, les citoyens, les associations, et où allons-nous aller? J'espère à la gagne. Je vais laisser la parole à Sylvie qui est à côté de moi pour présenter la soirée telle que nous vous la proposons. Participer de cette assemblée et de nous rassembler autour de la condition féminine. Parce que toutes les violences faites aux femmes dans cette société sont inacceptables. Qu'elles soient physiques, psychologiques, professionnelles, matérielles, culturelles. Où est la justice quand éduquer, s'occuper des enfants, restreint la possibilité de reprendre une vie active? Quand les possibilités de garde des petits-enfants est tellement limitée que l'obligation de laisser son emploi se fait évidente et maternelle. Quand les familles monoparentales majoritairement féminines doivent accepter n'importe quel emploi dans n'importe quelle condition pour survivre. Quand le physique, l'âge, décide de la compétence professionnelle. Quand on sait que les salaires moindres, les temps partiels imposés, les contrats précaires, voire les petits boulots non déclarés, ont comme conséquence sur les éventuelles retraites. Nous avons un combat immense à mener pour que les femmes aient enfin la place qui leur est due. Il ne s'agit pas de savoir si nous sommes féministes ou féminines, mais de ne plus accepter que le fait d'être femme soit un handicap ou pénalise. Nous l'aborderons sur les différents thèmes comme la santé, l'emploi et toutes les difficultés spécifiques qui gravitent autour de ces deux axes capitaux. Les femmes sont une population outragée, malmenée, sacrifiée. Pourtant, elles apportent une contribution essentielle vers le monde meilleur que nous souhaitons tous. En tant que femme, nous verrons combien le programme du Front de Gauche a un impact positif et majeur sur nos vies. Les électeurs sont aussi des électrices et elles ont aussi le droit et le devoir de prendre le pouvoir. Nous allons commencer par une petite vidéo pour rappeler la position du Front de Gauche par rapport à
La CMU, c'est le droit d'être soignée quand on est pauvre. Moi, j'ai bossé en tant que serveuse, hôtesse d'accueil, caissière. J'ai fait tous les boulots. Ces boulots en temps partiel, en CDD pour 500 euros par mois. Ces boulots où le harcèlement sexuel est courant et les blagues sexistes normales. La première gifle est partie un soir, puis la seconde et la troisième. Un jour, il a écrasé... Et on voit sur des listes un homme, une femme, un homme, etc. Et on alterne. Et sur le temps partiel, par exemple, on dit si il est maintenu, parce qu'il y aura toujours une part, l'employeur est aussi à temps plein. Donc, l'ensemble des mesures qu'on a pu mettre dans le programme du Front de Gauche, on les appréhende sous la question du genre. T'as oublié de parler, parce que pourtant, t'en parles plus tôt, du SMIC à 1700, quand à un moment on dit qu'on augmente le SMIC, on sait que... Les premières assemblées citoyennes ont bien sûr repris ce sujet, et puis il y a une compilation qui a été faite, une reprise de propositions présentées à des associations, qui, au moment des élections, demande un petit peu plus de clarification. Et je voudrais juste vous dire que poser le féminisme, qui a une certaine audience quand même, réponse aussi. Elle vient de répondre hier, là, au Front de Gauche, le caractère global et particulièrement complet des propositions du Front de Gauche sur le féminisme est frappant. Et évidemment, bienvenue dans le programme d'un parti politique, une coalition. Les propositions du Front de Gauche concernant l'égalité femmes-hommes complètent les lacunes relevées par notre association, le programme d'Humain d'abord, d'une façon particulièrement ambitieuse. Alors, nous nous réjouissons qu'une coalition politique présente un tel programme aux élections présidentielles de notre pays, et nous voulons croire que cela puisse faire tache d'huile auprès des autres responsables du parti politique. D'autres partis politiques, ils verront ce qu'ils veulent faire, sa branche féministe certainement, mais ici, nous, notre ambition, et ça répond au travail qui a été proposé depuis quelques mois, c'est-à-dire, on pose ça sur la table, les citoyennes et les citoyens s'en saisissent, on amende, on corrige, et puis après, on fonce vers le scrutin avec un programme qui ne peut même plus être éludé ou oublié par les médias, et ce soir, c'est une continuation un petit peu de ce travail politique, et je voulais... si vous avez besoin, commencer par ça et le présenter à tout le monde. Voilà. Merci Emmanuel. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième le rapique, il devient un peu impatient. Le copain passe dans les ailes. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois remords à la fois. Là c'est bien la faute à elle, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu l'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand papa pour tâter de la chair d'ambre s'il est bien là jusque là. En plus pour faire bonne mesure, elle nous a volé un péché. Pour se repasser du dur, elle a vraiment tout fait rater. Ça tout est naturel, et les garçons comme ça passe, car chez nous ça devient pareil. Mais si c'est la problème, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais s'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne.